va Billy? Ouais, toi? C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Et toi? Allez, mec. T'as pas l'air. Mec. Matin. Ouais. Je me suis levé un peu plus tôt, tu sais, parce qu'aujourd'hui on a du taf. Et je me suis dit, on va avancer. Des blogueurs, on est des branle-couilles aux yeux de la société. T'as vu ce qui vient de se passer juste avant ça là? C'est le meilleur edit que j'ai fait. Ah, t'es édité là? Mec. Le micro. Qu'est-ce que tu dis, maison? Disais, mais là c'est n'importe quoi. Disais j'ai édité là. Je comprends. Ouais. Disais j'ai édité. Ouais. Mec, j'ai sorti un édit. Ouais. Même moi j'en reviens pas. C'est vrai. Alors que j'en reviens d'habitude. Ah oui, mais d'ailleurs ils viennent de le voir là. Mais oui. Parce qu'au moment où toi tu me dis ça, moi je l'ai pas vu. Mais ben oui, ils l'ont vu. Ben oui. La Vogue Life. Ça te dérange si j'en remets le micro sur la caméra? Vas-y, remets le micro sur la caméra. Je suis obligé d'écouter ça. C'est pas tant génial que ça, non? Ouais. T'as de dalle si je vais m'habiller? Ah oui, énormément. Hier, j'ai encore reçu énormément de messages de gens. Ouais. C'est génial, mec. C'est que ça, non? Hey, hop là. Social aspect. Gros, ma stache mou, elle pousse ou elle pousse pas? On est d'accord qu'elle pousse. C'est vrai qu'elle pousse quand même. C'est indéniable. Ouais, des messages de gens et tout. Je suis très content là. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit bien. Ça se voit à mon faciès. Surtout à l'intro qui commence derrière une chaise, quoi. T'as vu? Flashback. Qu'est-ce que. Ça va, Billy? Mec, des gens qui me disent. Mais vraiment, j'ai eu plusieurs messages relativement identiques dans leur contenu. C'est-à-dire des gens qui disent voilà, bonjour. Déjà, c'est cool, tu sais. Parce qu'en 2018, les politesses se perdent. Ils disent je suis pas vegan ou je suis pas sportif ou je suis pas roux, tu sais, ça m'est arrivé ça. Mais ils disent j'avais juste envie de te dire que passer une journée de merde, j'étais littéralement en train de pleurer dans mon lit, un mec qui me dit ça hier. Je pleurais et tout, je suis une passe difficile, mais 21 minutes avec toi tous les jours, bah c'est mon rayon de soleil. Et là je me suis dit là, ils étaient combien hier à m'envoyer ça, j'en sais rien, peut-être 4-5, tu vois, j'ai pas compté. Puis au-delà de 3, c'est pas facile à compter. C'est pas évident. Mais je me suis dit, franchement, si que ce qu'on faisait, et bah que ça sert à rien, et bah au moins que ça soit bien pour eux, tu vois. Non mais tu vois, parce qu'en ce moment on galère avec les chiffres. Tu vois, on est là, on fait 2000 vues, machin, c'est tout. Ah, j'ai cru que t'allais con, s'il te plaît. Non. Oh, tu sais, 2 plus 4. Ouais, c'est facile. Non mais on fait 2000 vues, c'est pas facile en termes de YouTubing. On est pas excellent, pourtant on clickbait, hein. Ouais. Énorme clash chez un coiffeur. N'importe quoi. Non mais flashback. Coiffage qui n'est pas coiffé. Il y avait pas de clash. Si. Bon. Elle a dit qu'ils aiment pas les cheveux longs. Je m'engueule plus avec mon petit cousin quand il veut la manette de la PS4, je t'assure. Mais pourtant, et ben ce que je me dis, c'est que ce qu'on fait est utile. Et je suis très content pour ça. Parce que dans toute notre stupidité, et ben on apporte du rayon de soleil à des gens, de la joie, de la bonne humeur. Et parfois même. Des boucles de recettes. Tu sais, si on peut se souvenir pas comme ça, c'est énorme. Mes recettes disponibles, 50 recettes et même plus. Regardez-les, elles sont pas belles. Évidemment qu'elles sont belles. 100% végétales, riches en protéines, permettent de devenir shredded. Gros muscles, 100% vegan. C'est pas rien. Ah non. Eh ouais. Ah oui. Eh ouais. Ah oui. Eh ouais. Bah oui. Alors ça, c'est sûr. Ah oui. Ouais, mais j'aimerais bien mettre un pantalon d'abord. Oh là là. C'est vrai, bon bah oui, j'aime bien. Et puis, c'est très plaisir. J'ai des bougies. J'ai des bougies. À plus savoir quand on fout, tu m'entends? Dans la journée. Ça, c'est un tapis. J'ai également du huile. J'ai des pots de banane. Ça j'en ai. Alors ça, faut pas s'inquiéter, gens. Est-ce que si tu prends la cire de la bougie, ouais. On peut dire que c'est de la cire humaine. Tu sais que c'est pas vegan ça? Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que quand je les ai testés, je savais pas évidemment, j'achèterais plus. Mais semble-t-il que la cire de bougie, la plupart du temps, n'est pas vegan. Celle-là ne l'est pas. Ah oh, putain quoi, ils utilisent de l'animal pour faire ça, non mais franchement. Ouais, à quoi bon? Eh, je veux bien un smoothie. Oh, tu t'es cru aux 4 étoiles là. Bon bah va pour un smoothie alors. Oh là là, ok. Non mais vraiment, tu sais. Hein? Alors. J'imagine que tu veux qu'il soit bon en plus. Alors je te propose banane. Banane. Mais comme jamais, attention. Ensuite on se met des amandes. Mec, je vais te faire le smoothie le plus healthy que t'as vu de ta life. Teamwork OP, check ça. Ensemble nous sommes meilleurs que seuls. Ah oui, c'est notamment vrai. Avec les femmes. Quoi? ça non. Ah non non non. Alors. Ok. Let's jaja.
François Spence un peu trop pro. Hier mec, full day of fitting. Vous l'avez vu j'espère, vous êtes abonné. Avec la petite cloche, notifications on. Comme ça vous êtes heureux. Ping. Parce que il y a plein de gens, ils essaient de vous expliquer le bonheur et tout. Moi j'avoue, j'ai été assez hypocrite dans mon passé, j'ai été hypnothérapeute. J'ai essayé de rendre les gens heureux, enfin bon. En vérité, il suffisait de s'abonner à ma chaîne. Hop là. Hier, full day of fitting, que 107 grammes de protéines à la fin de la journée. Moi je suis plus dans les 115. Toi 107 ça t'aurait allé, sauf que t'as pas pris les amandes que moi j'ai pris à la fin de la journée. Donc c'était un peu léger. Hein? Mec, tu crois qu'un jour la chaîne YouTube a réellement décollé? Bah ouais. Est-ce que pour l'instant ça bouge pas? Tu veux qu'on fasse décoller ta chaîne? Ouais. Ok. Ma chaîne. C'est bon, vas-y. Et voilà. Ah, c'est vraiment un petit malin, Fabien. On a fait décoller la chaîne. Il suffisait de ça, on pourrait vendre des e-books. Comment faire décoller votre chaîne? Eh. Super. Camini, il l'avait dit, hein. La vérité, tu la sais, c'est que les plans ne savent pas danser. J'ai aussi dit, dans la bouche des enfants, réside bien souvent la vérité des parents. Il a dit ça. C'est vrai. Et il avait raison. Quand un petit enfant, 4 ans et demi, vient te proférer des insultes raciales. Moi, ça m'est arrivé, ça. C'était pas racial, mais c'était, tu sais, comme on dit, rouchiste. Ah oui. Tu sais. Et ben, je suis pas certain que ça vienne de lui, tu sais. Il a 3 ans et demi, le truc. Enfin, tu sais, le machin, quoi. Quand j'avais, je sais pas, 15 ans, j'étais brisé, timide et tout. Je souffrais énormément de mon aspect physique, corporel. Puis, tu sais, pourtant, aussi, mais sauf que moi, je me trouvais hideux. Et il y a un homme comme ça, 3 ans et demi, dans la rue, fait hé, espèce de sale roue, hé, elle m'a crevé et tout. Et j'étais désemparé. Désemparé quoi. Alors qu'aujourd'hui je vais dire je le crame. Non c'est quand aujourd'hui je laisse couler tu vois, c'est pas de sa faute. C'est la société tu sais. Le mal vient de la société. C'est pour ça moi j'ai entrepris de changer le monde. Mais tu sais en toute humilité quoi. Oui, oui. Un vlog à la fois. Je cherche des verres automatiquement, ce n'est pas là. Par contre nous avons tout type de boules de boudin. On possède les meilleurs mugs, nous. C'est vrai. T'es au courant? Bah oui. Ça, c'est Delaney qui nous les a offerts. Là, il y a tateté quand t'étais barbu dessus. Donc Delaney, hein, faudrait peut-être actualiser. Tu m'envoies un mug, ok? On fait ça. Moi, blouson au sommet. Alors pareil, je voudrais un nouveau mug, évidemment. Parce que comme jamais, c'est une bonne catchphrase, mais j'en ai pas mal de nouvelles. Je veux, mais évidemment, Billy! Mais ça, je peux le prouver. Je veux également flashback. Observe-moi ça, Billy. T'as jamais vu pareil vomi. Billy! Voilà ta tambouille. Merci. Y'a pas de soucis. Qui a léché mon bol. Bah ouais, ça coulait. Ouais. Quand ça coule, Bini. Tu lèches. Et ça, c'est pour moi qui le lit. J'ai ma maman. Ouais. Je sais pas. Tu veux mettre un petit pantalon? J'aimerais bien en fait. Parce que depuis tard, j'ai toujours pas vu mon pantalon. Allez, transition. C'est une transition pantalon? Ah. Au fait, bienvenue dans l'épisode 56 du Vegan Bulk 2018. Oh. Ouais. Aujourd'hui, bon programme. Enfin, t'es au courant, je le dis pour les gens. Parce que c'est ça notre vie désormais. Ah, d'accord. Notre relation est brisée par cette caméra. T'es en train de sniffer la craie là? Bah ouais. Ok. Bon, bah si tu la suis. Eh, est-ce que moi je viens discuter tes choix de vie? Ah oui. Ah bon? Tes choix de vie, c'est les miens, donc j'ai rien à dire. Ouais, gros programme aujourd'hui. Il y a une amie de Bini qui vient nous rendre visite pendant quelques jours. Je sais pas quand est-ce qu'elle part. On va pas prévenu. Toi non plus? Non. C'est super sympa. Elle s'appelle Lorina, donc on va faire la séance de jambes qu'on va faire juste après là, avec elle. Enfin, j'espère qu'elle sort de 10h de bus. Elle a dormi une heure, elle m'a dit. Voilà. Je lui ai dit, je te ramène une monster, mais fais pas chier. Ouais. Et ensuite, je vous exposerai carrément. Quelques mails à vous communiquer, il y a encore des nouvelles des Vegan Bulkers. Il y a des good news. Mais alors. De la good news, que j'ai pas tout lu encore parce que j'aime bien garder l'authenticité de la lecture de ma surprise lorsque les gens m'annoncent que voilà, boum, leur chien est mort. J'aime être ému, moi, tu comprends? Ah, merde! Par contre, j'ai déjà entreaperçu le mail de Lala. Oh, mais Lala, une personne exceptionnelle. Donc là, nous, il faut qu'on finisse quelques trucs parce que le vlog qui est censé sortir tout à l'heure est pas prêt. Faut faire la miniature, tout ça, tu connais les balles. Non, elle est faite, celle-là. La miniature est faite. Oh, on est en avance, ça veut dire. Oh, putain. Par rapport à d'hab. Mais en attendant, nous, on se retrouve à la salle de sport avec Lorina! Ça y est, on est avec Lorina, on vient de la rencontrer. Flashback. Ça va? La bise de ce côté là quoi. Ça va le rire? Ça te gêne que j'ai plus de barbe? C'est sa barbe qui te fait rire? Regarde! Regarde-moi dans la moustache quand je te parle! Moi je te trouve beau gosse, Bini. Ouais, c'est vrai, moi je commence. Et ça, je te l'ai dit. Ouais. Comme dirait Dolce, voilà, habitué! Un temps d'adaptation, mais ça va. D'accord.
Mec, elle rit bruyamment devant toi. Ouais, les gens attendent d'être souvent loin de toi d'habitude. Bah oui, mais tu me préviens au dernier moment aussi. Moi j'ai fait oula. J'ai passé 14 heures dans un bus où j'ai pas pu dormir. Il y avait des gens qui ronflaient derrière moi. C'était l'enfer. Oui. Fais ça et après on en reparle. Hein, d'accord. Voilà. Enfin, je vais pas le faire aussi. Dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es. J'ai mal au pied gauche. Bah tu es béni. Ah oui. Et donc là tu peux faire une séance de sport. Ouais. Oui. Putain c'est impressionnant, c'est un truc de ouf, mec. Accro. Faut qu'on fasse des plans de drone avec des luttes parce que là c'est l'automne mec. Ouais. Les feuilles sont incroyables. Mec on peut le faire là. Mais qu'en dit. Bah tu y a pas un moment où tu peux te garer sur le teco là. Alors là par contre je m'y attendais pas. T'es végétalienne? Pas du tout. Mais. Tu le sauras quoi. Mais. Mais j'aime les animaux quand même hein. Voilà. Non mais c'est un style de vie que je voudrais peut-être commencer. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah en voyant vos vidéos en fait ça m'a donné forcément ça m'a donné envie. Hein. C'est vrai? Ouais. Mec, check ça. Franchement c'est vachement bien. C'est quand la dernière fois que t'as fait une séance de sport Lorina tu me dis? Waouh. Ah ouais, vraiment tu sens qu'on a mis le doigt sur quelque chose. T'as provoqué une allergie là. Concrètement, j'ai pas fait de sport réellement intense comme à la salle de sport depuis le lycée. Et encore le lycée, si tu parles de l'EPS. Et voilà, c'est ça. 4 heures par semaine. Voilà, exactement. Souvent c'était la garderie quoi. D'accord. Ah mais ça marche pas comme ça Lorina. Je suis pas totalement con. J'allais me faire comme si je l'étais bien sûr. Voilà. C'était bien ça. On va faire la meilleure séance de notre vie. C'est ce qui est prévu chaque jour de ma vie. 1 milliard d'abonnés sur TikTok. 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions précisément, excuse-moi, pardon. Tu fais quoi? Tu chantes? Non, je fais de l'acting. Et t'es doué? L'humilité de... Il y a le monsieur qui va squatter. Ah, je voulais vous déplacer les deux, mais je pouvais pas prendre les deux. Excusez-moi. On va démarrer par du hack squat, tu vois ce que c'est? Mais c'est devant toi, putain! C'est pour apprendre le squat, c'est très pratique. Là, il n'y a pas lourd. Je te montre, d'accord, parce que Lorina ne fait pas de sport. Donc là, je vais tout expliquer. Barrez-vous les débutants, vous allez vous faire chier, je vous le dis. Bah non, justement. Mais débutants, ah non, justement. Mais tu sais, moi, je suis à l'ouest. Oui, je comprends. De tout ce qui est à l'est de moi. Ok, tu te mets comme ça. Tu mets les pieds en bas de la plateforme. Comme ça, ça va accentuer le travail sur les quadriceps. Et tu fais comme ça. On peut se chauffer sur un squat, je pense, c'est parce que le squat derrière. Mec, il a encore 3 séries. Donc. Sauf que moi, si je suis fort, j'ai envie de me battre avec lui. Il peut me manger, le mec. Faut être conscient de ses forces et ses faiblesses. Comme ça? Ouais, c'est là. Voilà. Tu rêves ou elle a fait une crazy face sur la première rep? La chien. First rep, mec. Qu'est-ce qu'on fait, mec? Ça. Non, c'est des triceps, ça. Merde. Est-ce que tu connais la musculation, toi? Ouais, M-U-S-K-L-A-T-H. D'accord, bravo. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, Vini? Ouais, bah oui, complètement, on vient le faire. Est-ce que tu me suis, là, Vini? Nos moments sont parfois très longs, Vini. C'est bizarre, hein. C'est bon, la conscience. Ça va, toi? Vous êtes gênants, les gars. Ouais, je sais. On va faire de la presse finalement. Parce que le monsieur est parti. Il avait des grosses cuisses et tout, c'était impressionnant. Pour ça, j'ai pas voulu déranger, tu vois. J'ai peur, c'est normal. Le mec est plus fort que moi. Moi, je me suis tué. Mais comprends. C'est la vie qui m'a appris ça en fait. Je suis souvent très martyrisé, et encore aujourd'hui, c'est pour ce pareil. Ça va aller. Enfin tu vois quoi. Et quelque chose. Moi aussi j'ai eu talent d'acting, tu sais. Gênant, c'est gênant, je vous jure. Je sais pas si elle va s'y faire. Je sais pas. Tu sais que ça va être ça pendant longtemps. Moi, faut savoir que j'étais très timide avant. Et donc créer le malaise pour moi maintenant c'est un plaisir. J'arrive pas à rester sérieux devant lui, c'est un truc de fou. Ouais je connais ça. Jamais on m'a fait aussi rire de ma vie. Tu veux un câlin? Oui.
Je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds pour lui faire un câlin. Mec, c'est super sympa. Tu veux te mettre sur la pointe des pieds? Non, les gens me font des câlins. Ah oui. Mais pas parce que je suis beau, tu sais. Parce qu'ils ont piqué. Héro? Ouais. On y va? Vas-y. Ok mec, on va faire du leg extension. Ouais, parce qu'on prend les prises deux fois. Donc je suis obligé d'exagérer mon enthousiasme la deuxième fois, sinon ça fait pas naturel. Tu te rends compte qu'elle vient de se cacher dans la ceinture quand même. Vas-y go. Mec, il y a un post Instagram, un mec qui poste mes merguez. Tu sais que j'ai une recette de merguez moi. Ouais. It's no big deal. Ça c'est ton petit chéri ça. Il y a un mec que je devais tuer, c'est ce mec là. Oh là là. C'est bon, toi après, il y a pas de soucis. Et il dit, on n'est pas vegan pour 3 sous, mais à ce qui paraît, limiter sa consommation de viande, ça fait un coup de couteau en moins dans le cul des petits lapins. Mec, je suis en train de créer une armée d'ahuris, d'accord? Les mecs qui parlent comme moi et tout. On va se marrer. En quelques années, ça n'aura plus aucun sens. Vas-y, Vinny, donne tout ce que t'as. Ça va, Lorina? Ça va. Tant que ça va, c'est le principe. Ok. Le chien m'a tapé. Donc ça fait les quadriceps. Aujourd'hui on se focalise sur le devant des cuisses qui s'appellent les quadriceps. Ça te parle ça? Pour l'instant ouais. Voilà c'est ça. Oh, vraiment Lorina en fait. Ouais. Non mais c'est bien. Pousse avec tes pieds et ça recrute ici, ici et ici. Sur un autre jour des jambes ont fait l'arrière. Le booty. Et c'est le truc qui sort derrière. Enfin pas chez moi. Mais chez Bini ça sort bien. Des fentes. D'accord, faut que je l'introduise. Bah tu sais faire les fentes? Ouais. Ok. C'est gênant. Ouais. Tu sais vraiment de la mettre à l'épreuve. Ouais, je sais, je vois ça. Elle hein. Fuit à chaque fois. À chaque fois. C'est bon, on y va? Non. Bon bah moi j'y vais du coup. Ok. Ok. On va faire des fentes mec. Fentes poids du corps aujourd'hui, focus sur le devant. Donc on fait des fentes avec les pieds très peu espacés. Pas peu espacés, non très peu espacés. Très peu espacés. Comme ceci. Comme ça la flexion du genou est maximale, la flexion de hanche est minimale. Donc le quadriceps est majoritairement recruté. Et le bonheur est présent. Et mon book est disponible sur goudronsommet.com/énorme. Ok Vinny? Bien sûr. Alors la machine à moller, Lorina, elle est là-bas. Mes cuisses me lâchent à chacun de mes pas. Oh, c'est horrible. C'est comme les meilleurs amis. Ça te lâche. Tu peux venir ici pour souffrir, ok? On sent la meuf qui fait TikTok. Ok, on en était où, Billy? Ah, il y avait une plaquette de plus, je crois. Ah d'accord. Okay. Ah, c'est bon. C'est précis, évidemment. C'est ça qu'on va travailler. Mais ça, c'est du mollet de compétition. Je suis pas senti aussi violé depuis ma coloscopie. Une coloscopie? Non, mais par contre, j'ai fait un prélèvement intra-utérin. Urétrien. Parce que l'utérin, c'est autre chose. Dans l'urètre, mec. On te fourre un petit parapluie. Dans l'urètre. Hop, on ouvre. Et puis on racle comme ça, tu sais. Oh. Après, on dit ça va, monsieur? Meilleure séance de notre vie, mec. Est-ce que ça allait, Lorina? Ça va. T'es cuite? Ouais. Tu vas dormir? Oui, clairement, oui. On fait comme ça, mec. On va dans le bendo. On revient jamais. On devient heureux. Ok, let's go. Ok, on est dedans. C'était génial. Comme tout ce que je fais, bien. C'est vrai. C'est comment, Lorina? J'ai ça pour vous. C'est tout petit, je sais que c'est rien par rapport à ce que vos abonnés elles vous offrent. Et mais tout, quel mais... événement fortuit. Mais je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Du papier. C'est pour nous deux? Faut que vous puissiez un peu. Santorini Grèce. C'est un petit magnète que je vous ai ramené de Grèce. Pour le frigo, mec. Pour qu'on puisse accrocher nos objectifs de vie. Merci Lorina. Ouais. Merci Lorina. What the fuck? I am the one, the way you... Tu peux plus le faire, il y a la moquette maintenant.
Mec, me défie pas toi. Je t'ai pas défié. Je t'ai même pas défié, je t'ai rien dit. De me tuer. Ok, nous on va s'arrêter là pour ce vlog. Parce que c'est pas mal et ça je peux le prouver puisque c'est vérifiable. Oui. Je vous parlerai finalement des petits updates des différents Vegan Bulkers demain parce que sinon le vlog va être trop long. J'essaie de faire quelque chose de concis, simple, 20 cartes par minute. C'est déjà épique. Abonnez-vous évidemment avec la petite cloche sinon vous allez rater tout ça. Tu viens de te connaître, Billy? Bah oui, comme d'hab. À ma grosse poutre. Eh, celle-là j'ai. Regarde, elle se bouge. Certaines ne s'en sont pas relevées. On ne sait pas ce qu'on peut faire, Vinny, je sais ce qu'on peut faire. C'est mon métier, Vinny. Ok, moi je te remercie pour ton temps, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est très gentil et tout et tout. On parle, mec. Insupportable. Demain, enfin normalement, c'est pas dit, on verra bien, parce que ce week-end est assez imprécis pour nous, aléatoire, tumultueux, chaotique, fulminant, mec, et dredon. Merci Billy pour ton travail que tu fournis everyday pour moi, c'est très gentil. Pouf. Comme celui-là. Donc si vous voulez soutenir Billy, eh bien ça se passe sur Open Dream. Vous pouvez vous procurer ces vêtements de cette marque-là. Billy, montre-leur. Hop là, alors là c'est très pratique. Voilà, c'est un bon moyen de le soutenir parce que moi j'ai pas beaucoup d'argent à lui donner. Pas facile, j'essaie déjà de manger, c'est pas simple. Donc pensez-y, en plus les vêtements sont très confortables, je les porte quasiment tout le temps. Donc là j'ai mis un petit jean, on sait pas pourquoi. Ok, je vous dis à demain, bisous frangin, ciao. Tiens gros. Arrête tout ce que t'es en train de faire. T'as fait tomber les meubles. On m'a dit de tout arrêter. Moi j'ai toute confiance en toi. Tu me dis saute d'un pont, mais moi je prends des langues.